Et on est de retour dans notre nouveau biome qui a plein de vases. Ah là. Très bien. Je sais pas si ça protège. Ouais, alors surtout pas le gros. Oui, c'est sûr, ça va pas protéger. Putain. Ah, on va s'amuser dans ce biome. Hein. On va s'amuser. Est-ce qu'il y a des bestioles à scan? Non. Ah! La plante. Oh putain, tu m'as... T'as détruit le nid. Huh. D'accord. Putain, elle fait mal la tourelle en fait, hein, la grosse maintenant. C'est vrai que... Ah, il a détruit un des nids. Alors ça repousse pas les nids. Si je dis pas de bêtises. Arrête. Donc autant ne pas les détruire, enfin comme elle a dit là, de pas les détruire tout ça. Après est-ce que ça sert à quelque chose? Honnêtement je sais pas. Juste faire attention où on met les tourelles en fait. Oh mon dieu. Et très bien. Je suis en train de me demander si on devrait pas changer un peu d'arme. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tu de réparation, vitesse de régène. Ça c'est drone de réparation. Drone de réparation, du coup, ça serait pour la base. Ouais, ça serait la base. Coup de vitesse de construction, vitesse. Mais bon, ouais, là, faudrait la vitesse de marche, en fait. Enfin, bref. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme arme? Y a pas grand-chose. Ah oh non, c'est bien comme ça. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? T'es vénère? Donc, il y a des mines. Donc notre but, ça va être de découvrir la map pour le moment. Okay, très bien. De faire un peu la map vite fait. Puis après, on va se trouver un petit coin. Ah, déjà, là, c'est pas mal. Ouais, un grand coin comme ça, c'est pas mal, ça. T'es sérieux? Ah oui, du coup, oui. Merde, qu'est-ce que je fais, moi? Ah,
bien. Boing. Alors, on va voir comment 6. L'utilité avec... avec la vague là, de monstres. Ashley, I'm detecting a sudden change in air humidity and wind speed. A fog is forming up. Il nous faudrait de la résistance à l'acide en rouge, mais bon. Pour le moment, on n'a pas. Merde. Okay. J'ai l'impression que quand elles vont exploser, les mines, si on utilise le scanner, ça les désactive. Du coup, ça fait pas l'explosion. Bonjour, ça va? The fog is clearing up. Ok, cool. Là, par exemple, on a... Merde, pardon. On va pas détruire les nids comme j'ai dit. J'ai quand même l'impression de me faire toucher plus de fois. Hein. Parce que de devoir gérer les monstres, les tirs, plus le bouclier, de penser à relâcher le bouclier pour tirer et tout ça. J'ai vraiment l'impression d'être beaucoup moins efficace niveau DPS. Hein. Je le maintiens. Machin là. Il est là. On a encore un autre, ouais. Très bien. Wow. Bien.
après, ouais, c'est pas un mur quoi. Ouais, faut vraiment qu'on soit plus de défense à, autour de notre base. Hein. On a un... Ok, c'est bon, il est mort. Très bien. Oh la vache. Combien? 2 minutes? 1 minute? 40, 50 secondes? Ça va, on a que 2 vagues. Non. Bien. Ok, on va tanker ici. Non, on est bien là. Ça va à niveau tourelle, on est bien. Moi aussi je suis une toile. Ouais, on aide à scanner. C'est bon. Nickel. Il faut faire gaffe au... Mais va-t'en, toi! Ouais, ça. It looks like the weather's calming down. Très bien. Wind is getting slower. Nickel. The wind is very slow today. Wind turbine efficiency is not going to be that great. Ouais, non, entre le vent, la lumière et tout ça, honnêtement, ici, on va lutter pour... Si on veut des éoliennes et des panneaux solaires, il nous faut absolument de la vase. Il y en a partout. Bien.
Peut-être la tourelle, elle va détruire le cœur là. Ou alors on l'a déjà fait. On l'a peut-être déjà fait. Wind is picking up again. Ok. Oh la vache. Ouais, bon. Ok, cool. Ah, on fait péter les trucs. Oh mon dieu. Ah, très bien. Wouh. Là, on a une belle concentration. Mais il y a des bons endroits, hein, regarde, genre là, là. C'est vachement bien, ça. Bonjour. It looks like an earthquake is coming. Opened up the ground. I'm detecting a small gravitational anomaly near our base. We should investigate it. Oh, le bordel que j'ai fait, quoi. Pardon. Oh. Ah oui, attends. On va peut-être pas faire la tourelle qui tire. Sol standard. Ok. Parce que ouais, j'ai pas envie de détruire l'écosystème à fond non plus. On peut tout raser, mais... Hein ? On peut pas tout raser. Merde. J'ai appuyé sur la troisième tourelle sans faire exprès.
Très bien. Merde. On vient de détruire les trucs rouges là. Faut arrêter de dire base parce qu'on en a pas. Deux vagues, une minute, ça va. Je sais pas comment elles sont gérées, les vagues. Genre, si on a une base, ça augmente à 3. Si on a des défenses, ça augmente à 4. Encore une fois, c'est bien un endroit niveau extrême. Hein. Ouais, c'est bien extrême. Enfin, élevé, quoi. Sans déconner. Waouh, il n'y a rien à scanner. Ah non, mais j'ai pas de scanner. J'avais pas posé de scanner. Je me suis dit putain, tout à l'heure on n'arrête pas de scanner, là il n'y a plus rien. Non, on va faire ça aussi en même temps. Ah, j'ai vu un crâne. Ça, ça veut dire que c'est un boss. C'était un boss, vraiment. Les tourelles s'activent pas tant qu'on n'est pas à côté, j'ai remarqué ça aussi. Je sais pas si c'est pour éviter que le jeu lag ou des trucs comme ça, mais c'est un peu étrange. Hop là. Ouais, non, ça les arrête. Hein. On va aller au centre. Ah, on a trouvé un truc là. Bien.
Twitter qui vient de passer. Ah la pute. J'ai détruit les... des nids. C'est quoi ça? Trouver la racine de la colonie. Je vais sauvegarder parce que j'ai peur que ça fasse mission échouée. Si jamais on merde le truc. C'est vrai que c'est pas mal, hein, ça protège bien même de ça. Un saloperie. Ouais, bon, bah on a la racine, quoi, d'accord. Détruisez la racine de la colonie, ok. Yay. Ah mais c'était un truc aléatoire ou pas? C'était un événement aléatoire? Ah, ça, quand il fait cette attaque, ça passe à travers. Intéressant. Ah, un truc qu'on peut faire avec le plasma, c'est faire des attaques corps à corps. Du coup, parce que quand on met deux armes au corps à corps, bon c'est bien, on a une attaque spéciale et tout ça, c'est cool. Mais on n'a pas de protection et le corps à corps c'est quand même méga dangereux. Donc là on pourrait... genre faire tronçonneuse avec bouclier peut-être, peut-être que ça marche. Non? Faudrait voir. Il y a un truc que je voudrais bien prendre, c'est... Cette recherche aura des plus qu'interagiques de campagne, ok. Si on suit phrase encore une mission, ressources spéciales trouvées sur cette planète, conception des plans pour cette arme incroyable était possible. Donc épée laser, peut-être avec épée laser et bouclier, ça serait pas mal. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Oh la vache. It looks like the weather is calming down. Wind is getting slower. Bien. The wind is very slow today.
Wind turbine efficiency is not going to be that great. Merde, ça a détruit la racine. Elle devait être proche en fait. Pam pam. Ok, doucement. Qui nous ont foutu dans la merde. Wind is picking up again. Je suis super heureux que le vent revienne, c'est vraiment cool. Fait des putains de verre et tout, c'est dégueulasse ce machin. Bon, on a un peu détruit les racines là par contre, j'avoue. J'avoue qu'on a... Putain, le truc il est au milieu de... Okay. C'est un bordel ici quand même, putain. Oui. Okay, très très bien. C'est ouf. Ouais.
Ah, ce serait bien que ce soit du para... Parabium. Parabium. Parapara. Alors, il y en aurait 1, 2, 3... Là, il y en a beaucoup, là. Là, on pourrait faire notre base ici. Notre cœur de base ici. Enfin, c'est un peu... C'est pas centré. Donc, c'est pas mon kiff, mais... Pas jouer dans un champ de mine. Mais ici ça a l'air pas mal. Encore que les trucs sont pas très solides ici. Y'a que les... Je sais pas, les gros, les grosses larves là qui tirent à la limite. Qui sont un peu solides, mais y'a pas de gros rochers, rien. Y'a les petits rochers ceux-là, là. Enfin c'est pas de la roche, de la, du métal. J'ai jamais fait attention. Nickel. Ah ouais, on a défoncé les trucs quoi. Alors je sais pas d'où ça vient, j'ai un réflexe de faire espace pour faire un bouclier. Des fois quand je vois des tirs approchés en fait. J'ai un peu le... T'es là. Voilà. J'ai un peu le réflexe de faire espace. Je sais pas pourquoi. Mon dieu, t'en as des... Encore des mauvaises nouvelles comme ça? La planète est instable, la planète va tout s'autodétruire. Cette fog est très dense. Elle affecte l'efficience de nos panneaux solaires et turbines de vent. Basé sur mes calculations, ça ne devrait pas durer longtemps. Ah putain, il est là le truc. Ok. Bon bah là, on est un peu obligé. La tourelle foudroyante, elle fait des merveilles ici. C'est vraiment cool. Très bien. La fog est clearing up.
peu. T'es sérieux? C'est ouf en fait. Mais merde. Attends, on va d'abord trouver... Ah. Nickel. Nickel. Bon bah voilà, on a fait presque la map entière. Là on manquerait un peu, là surtout. Météor. Enfin, je veux pas aller dans, dans le sens où il va parce que... Comme j'ai dit, le truc qui tombe sur moi, non merci. Progresse lentement mais sûrement. Un truc géant. Ma tourelle. Tourelle scanner, non. Voilà. Ça c'est bien. Ah putain. Et après on va décider de où mettre notre base. Alors, si jamais on veut vraiment faire... Si jamais on veut vraiment faire des plantes en plus, il va falloir un endroit... Merde. Assez large. Ah, mais tu te fais taper par les mines et c'était... tu m'attaques moi ? Saloperie. Tiens, toi aussi, tombe. Ah, ça prend. Thank you.
Voilà. On peut faire ça vite fait, puis après on va choisir où. Bon, après, là, je suis sûr qu'il y a encore des trucs, mais on mettra des... Comment ça s'appelle ? Des détecteurs, là. Là-bas. Warning! A large group of creatures is gathering near our base. Prepare for an incoming attack. Putain, on a perdu notre bouclier. Par là. C'est marrant, on dirait des cuves d'acide là. C'est la première fois, je me rappelle pas si ça existait avant. Bon, après c'est du décor hein, mais. Parfois. Voir j'ai pas. J'ai sûrement pas fait attention avant. On est bloqué. Truc de feu quoi. C'est marrant d'en voir là. Oh là là, tout ce qu'il y a quoi. Danger! A hostile swarm is moving in on our base. They are almost upon us. On va attendre. On va pas jouer les héros. Ça risque de me tenir dans un moment. Pardon, Crystal. C'est bon, on a détruit la vague en fait. D'accord. Il y avait une bestiole insecte. C'est un moustique. Oh la vache, ça va, fatigue. Yeah, Palladium, parfait. Bon, voilà, maintenant il reste plus grand chose.
Bah je crois que la vague elle est là. La vague, elle était là. Oh la vache, ah, ça m'a fatigué tout ça. Vraiment, vraiment fatigué. Alors ça, canon électrique. Ok, nickel. On va faire ça. Ah putain, mais quel con. Ok, nickel. Alors, une grenade, cryo... La cryo, c'est... Ah, c'est pas mal, la cryo. Ça gèle, hein, évidemment. Missile nucléaire, non. À la limite, je peux vous le montrer. Le moteur à plasma, c'est pas mal aussi. Alors, le missile nucléaire, je peux le montrer. Ah, c'est du Fallout, hein. Du bon Fallout. Alors, on peut le charger, je crois que c'est au moins 3 ou 4 fois. Non, une fois chargé. Voilà, donc c'est méga lent. Et je viens de le tirer dans le vent. Ok, genre, là c'est le missile normal. Ça, ça va être le missile chargé. Voilà. Donc à la limite, ça peut être intéressant pour une grande vague avec beaucoup de bestioles et tout ça. Mais vous avez intérêt d'être derrière des murs. Hein. Parce que déjà, vous pouvez pas vous déplacer en plus qu'on vous chargez. I'm sensing slight tremors. They are intensifying over time. Et puis ça prend du grave du temps, hein, à charger. Donc ouais. 1900 d'explosion et c'est à peine le niveau normal, quoi. Genre là, on a des grenades violettes, c'est un peu moins de 500. Donc ouais. C'est spécial. C'est vraiment spécial. Faut aimer. Mais je préfère le lance-missile perso. Les mines flottantes, on est d'accord que c'est chargé aussi. Parce que j'ai dit que c'était chargé, mais au final, je suis plus trop sûr. Voilà. Ouais, voilà, ouais, ça met des mines flottantes. Voilà. Ah non, on n'est pas obligé de charger. Ouais. Je sais pas. À la limite, bouclier et ça. Ah oui, on voulait tester un truc, voir si on pouvait taper. Non, pas d'armes de corps à corps. Genre à tronçonneuse par exemple. Crafting completed. Alors bouclier. Ah non, on peut pas, ok. Ouais, non, quand je... Non, on peut pas. Peut-être avec une lance. Est-ce qu'ils auraient fait des animations pour, genre à la Dark Souls, pour lever le bouclier et taper avec une lance? Genre, est-ce que c'est possible? Non. Non, non. La lance s'allonge, hein, comme j'ai dit. La lance est pas mal.
Surtout si vous voulez taper à travers les murs et tout. Bon bah non, ça marche que avec des tirs en fait. Que avec des tirs. Le cryo, c'est sympathique. Plus de précision, il faut charger. Fusil à frag, je crois que c'est des rafales. Crafting completed. Ouais. Hop, ça c'est un tir. Et si on reste appuyé, on peut charger. Et si on fait que tapoter, ouais voilà, c'est la vitesse. Honnêtement, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Bref, tout ça pour dire que... The earthquake has stopped. Let's assess the damage. Bon. Alors on va s'installer où? Si on veut faire une grande base. Une grande base. On va s'arrêter là de toute façon. Donc on a... Oh la putain, laisse-moi réfléchir quoi. Merci. Bon là on a un gros nid de machin là qui arrête pas de se développer, c'est pas grave. Ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, dans cette région, on n'a que 7, 8. Enfin, il n'y en a que... Non, il y en a 8 quand, c'est énorme. Après, là, là, là... Après, c'est éparpillé. Mais j'avoue que... Bah, là, c'est pas mal, en fait. Là, ça, vraiment, ça s'étend partout, quoi. Parce qu'on est là pour le para-machin, là, ça. Le paradium. On est là en priorité pour le paradium. Vous entendez, là, les blouks? C'est ça, en fait, qui arrête pas de se développer. Mais après, on en détruira et tout, hein, mais c'est là qu'on les laisse parce que c'est fun, quoi. C'est un peu le seul... je crois que c'est la seule mécanique qui va essayer de bouffer votre base petit à petit. Bon après nous... Ouais. On a des sols anti-acides. Donc c'est pas vraiment un problème. Mais c'est vraiment la seule mécanique qui en théorie est là vraiment pour se développer sur votre base et essayer de la bouffer quoi. Vraiment fun, vraiment fun. Extase, extase.
not tracking any more meteors. The danger is... Whew. Voilà. Bon, on va s'arrêter là, comme j'ai dit. Je peux finir ? Oh, merci. Putain de merde. Alors, on va s'arrêter là. Je pense que... Ouais, je voudrais juste voir à quelle distance c'est de l'extrémité de la map, en fait. Ok, là, on peut pas passer. On n'est pas obligé de mettre la base là, on peut faire comme je fais à chaque fois là. C'est-à-dire on fait des trucs qui récoltent, mais on les met pas dans la base. Ouais, non, j'en sais rien en fait. J'aimerais bien avoir la base au centre, mais il n'y a pas de trucs à récolter au centre. Cela, on aurait plein d'acide à récupérer, c'est bien. On pourrait faire plein de turbines. Genre, on pourrait bloquer là, 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 là. Ou alors, on fait la base ici, du coup. Alors. Comme ça, comme ça. Je crois que j'en sais rien, honnêtement. Le truc, c'est qu'on peut pas tout avoir, en fait. Le problème c'est qu'on ouais, on peut vraiment pas tout avoir en fait. Oui, 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 on s'en fout. Alors. On va s'arrêter là. Tiens, on est à 3 vagues maintenant. Ça commence. Voilà, alors déjà là ça prouve qu'on aurait une vague juste là, juste sur notre gueule. Donc ça c'est chiant. Ouais, je préférais la mettre au centre, honnêtement. Je préférais largement la mettre au centre. Je sais pas, on va réfléchir la prochaine fois. On va s'arrêter là. Ou alors on en fait une gigantesque. Peut-être une gigantesque. Genre là, on bloquerait comme ça. Ça serait notre mur du sud. Après, là, il y a plein d'acide. Après, on pourrait faire un mur là. Enfin, comme ça, par exemple. Ce serait le mur du nord. Ah, j'en sais rien. On va s'arrêter. Je n'en sais rien. On va se décider la prochaine fois. Et on va faire une grande base du coup à utiliser plein de vases là. Comme ça on transforme en gaz. Comme ça on aura énergie infinie quoi honnêtement avec tout ce qu'il y a. Donc ça c'est bien. Et après on a besoin de rien d'autre en fait que du gaz.
Ça, ça va, on en a plein. Il y a le fer d'onite qu'on n'a pas du tout. Donc je crois qu'on va faire des trucs en fer d'onite ici aussi. Parce que j'ai pas envie de retourner là-bas, c'était trop petit. Niveau courant, c'était un peu la merde aussi, l'avant-poste, là. Là, on a quoi? 4, 2 et 3. Ouais, il nous faut de la fer d'onite. Ça, c'est chiant qu'on n'en ait pas. Et de la biomasse végétale aussi, on va faire. Ouais. Non, on va faire une grande base. Ok, on fera une grande base ici. Ça va être notre avant-poste, grande base, paradium. Et tout ça. Ça va être cool. Ça va être cool ici. À la prochaine, portez-vous bien. On va re-sauvegarder, juste pour être sûr. Peut-être qu'on finira d'abord la mission, comme j'avais fait la dernière fois. On fait d'abord la mission, voir si il nous trouve pas une meilleure zone. Mais honnêtement, cette zone a l'air vraiment bien, je pense. Parce que l'autre cobalt, c'était du moyen aussi, je crois. Ah, la musique est forte. Métallique, c'était moyen. Et là, c'est moyen aussi, paravium moyen. Et la rhodonite, c'est parce qu'il y a des cristaux rouges partout. Donc, ouais, je pense que ça va être une bonne zone. À la prochaine, ciao ciao!